By yon bonny banks and by yon bonny braes, where the sun shines bright on Loch Lomond, where me and my true love will never meet again. Or on the bonny, bonny banks of Loch Lomond. Oh, you take the high road and I'll take the low road, and I'll be in Scotland afore ye. But me and my true love will never meet again. Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Il fait froid et on se les gèle, donc forcément je vais parler de pull. Une fois n'est pas coutume, vous voyez j'ai mis un pull, et du coup vous voyez bien le micro-cravate, mais bon je peux pas, avec le col roulé j'ai pas trop le choix. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour une fois on a un hiver qui ressemble à un hiver, donc forcément on va devoir ressortir un petit peu les pulls. Alors oui, peut-être que vous ne faites pas partie de cette catégorie de personnes qui aiment le froid, qui adorent la neige et qui supportent très bien d'ailleurs le froid. Toutes mes condoléances, c'est pas mon cas. Et vu que j'ai à peu près la physiologie d'un ours polaire, ça me dérange pas. Par contre, emmenez-moi au Maroc et je décède, hein. La chaleur, c'est pas mon truc. Donc, du coup, je pense à vous et je me dis, il faut que je leur concocte une petite vidéo de 5 marques pas chères pour leur proposer des pulls en laine. Allez, on commence. N'oubliez pas de liker, de partager et bien sûr de commenter la vidéo si ça vous a plu. Je vous le dis maintenant parce que vous allez oublier à la fin. C'est parti les bros. Bon, définissons très vite ce qu'est un bon pull. Pour moi, ça se résume en 3 choses. Le col, putain. Tu crois que c'est du respect, mon garçon ? La matière, ça me paraît évident. La texture et le col. Pour la matière, c'est pas très compliqué, je vous recommande dans l'ordre la laine mérinos, la laine d'agneau, le cachemire, l'alpaga, le mohair, le yak et le chameau. Alors oui, on n'a pas tous des moyens d'enfoirer, donc forcément ça va être un peu compliqué au niveau... Voilà. Pour ceux qui sont comme moi dans ce cas de figure, je vous conseille du coup tout simplement la laine mérinos, la laine d'agneau et le cachemire. Pour l'encul de chameau, ça tient chaud, mais mon gars, le prix, tu vas vite déchanter. Hein. Ensuite, pour la texture, c'est pas très compliqué, vous connaissez, hein, là c'est de la maille fine, vous avez également le torsadé, le gaufré, enfin... On passe très vite, ma texture préférée et qui n'est pas très répandue, c'est le gaufret. J'adore la texture du gaufret, je vous conseille d'esquiver un peu le torsadé pour vous lancer sur du gaufret. Et pour terminer, le col, bon bah là c'est une question de goût, hein, il n'y a pas de meilleur col qu'un autre. Personnellement, je n'aime que deux cols, donc le col roulé. Le col roulé, c'est votre atout... Non mais sans déconner, à un moment faut arrêter quoi. Le col roulé, c'est votre atout quand vous ne savez pas comment vous habiller, vous mettez un col roulé, une veste et c'est parfait. Attention, vous pouvez quand même paraître déguisé avec un col roulé, donc il faut vraiment bien le choisir. Et bien choisir aussi la couleur. Et le deuxième, c'est tout simplement le col rond. J'en ai deux, un très épais et un pas très épais. Alors, en toute première marque, hein, sans trop de surprises, bien sûr, je vous recommande Uniqlo. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Uniqlo propose des très bonnes mailles, des mailles fines généralement, à des prix battant toute la concurrence. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous ne voulez absolument pas acheter du Uniqlo, ça peut arriver, vous pourrez regarder sur Bonobo. C'est sauté de carrick dans Scylla, hein, complètement. Ou alors chez Monop, hein, vous pourrez trouver aussi votre bonheur. Mais je vous conseille quand même Uniqlo. Chez Uniqlo, les pulls sont très abordables, mais on est d'accord que c'est pas le top de la qualité. Hein. Je crois que j'ai pris un col roulé de chez eux, un col roulé bleu en maille fine à 100% mérinos, qui doit être à 35€, quelque chose comme ça. Vous avez également des cols ronds et je crois aussi des cols V qui sont aux alentours de 30 à, je crois, 35€. Et bien sûr, vous avez également pour femmes, même gamme, je crois même prix, voire même un poil moins cher pour les femmes. Il y a moins de tissu généralement. Hein. Pour moi, Uniqlo, ça fait le taf. Si comme moi vous n'avez pas beaucoup de moyens, ça arrive à des gens très bien, donc du coup vous pouvez acheter chez Uniqlo pour 60€, vous avez deux cols roulés, vous mettez avec ça une veste, vous mettez par dessus une chemise, voilà, vous êtes habillé pour l'hiver. Cependant attention, c'est de la maille fine, donc du coup il va falloir travailler le layering pour pas avoir froid et bien sûr pour avoir un peu plus de style. Uniqlo vous propose également des pulls 100% cachemire à peu près 80€, donc bien sûr c'est du cachemire de classe inférieure. Ça reste du cachemire et plutôt abordable, mais anecdote de l'ours, mieux vaut un bon mérinos un peu plus cher que un mauvais cachemire. Je vais vous proposer des très bons mérinos, vous inquiétez pas. Pour la seconde marque, on va aller au Canada, et si vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez très bien de quelle marque je vais parler. Ce n'est pas une marque qui fait des pulls en particulier, c'est une marque globale. Global brand, je sais pas comment on dit en anglais. Et du coup, il s'agit de Spear & Mackay. J'en ai déjà parlé, vous savez très bien que je suis un fan inconditionnel de Spear & Mackay. Et Spear & Mackay s'est mis à faire des cardigans et des pulls également de très bonne qualité, à des prix pas dégueu. On est au-dessus de Uniqlo, bien entendu, hein, on passe à une gamme un peu plus
premium. Donc Spirit Mackay propose des cardigans très épais, très lourds, à, je crois, à 160 €. C'est clair que c'est un prix, mais c'est un investissement sur le long terme. Il propose également des pulls torsadés avec une maille très épaisse, des cols roulés et je crois aussi des cols ronds. Pour eux, à peu près 100 €, vous pourrez les avoir. Si comme moi, vous aimez porter le costume ou les vestes sport, eh bien, ils font également des mailles fines comme celui-ci. Alors là, c'est un Spirit Mackay couleur verte. C'est un très beau vert. Il réagit vraiment très bien à la lumière et c'est encore un peu au-dessus de Uniqlo en termes de qualité, en termes de prix. Hein. C'est au-dessus de Uniqlo. Celui-ci, je crois qu'en période de solde, je l'ai eu pour 40 €, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup plus cher. Donc j'en ai pris deux. Navré pour vous mesdames, mais Spirit Mackay ne propose pas de gamme pour les femmes. Donc voilà, Spirit Mackay, très bonne marque. Bien sûr, vous pouvez aller voir aussi chez Sud Supply. En Europe, c'est un peu plus facile parce que Spirit Mackay, c'est au Canada et que vous allez vous manger bah, des frais de douane. J'ai vraiment une énorme affection pour la marque numéro 3. Là, c'est encore une fois, c'est personnel. Il s'agit de la marque Wool Lovers qui est en Angleterre, il me semble. Au Royaume-Uni, c'est sûr, mais en Angleterre ou en Irlande, j'ai un doute. Tu commences à dire que les Irlandais sont anglais, Alex ? Ça va gueuler. Hein. Ne fais surtout pas ça. Alors, Wool Lovers propose pour hommes et pour femmes. Déjà, un bon point. Wool Lovers est une marque de laine, donc du coup, qui propose uniquement des pulls, des gants, des trucs en laine. Quoi. Comment j'ai galéré pour faire cette partie là ? Ils proposent, je crois, 3 sortes de laine, donc du coup, du cachemire, de la laine mérinos et de la laine d'agneau. Là aussi, on est sur une gamme encore un peu plus au-dessus. Les pulls sont vraiment plus chauds, plus épais, mieux taillés, selon moi. Enfin, ils sont taillés un petit peu à l'anglaise, donc moi qui ai des épaules de déménageur et qui ai. Une panse d'ours, le fit anglais me correspond plus. Donc, comme quoi, j'ai mal choisi mon pays. Alors, ils proposent des cols roulés, des cols ronds, des cols châles aussi, des cardigans en col châle, pour à peu près 69 €. Vous avez également des cols roulés et des cols ronds en cachemire pour 89 €, je crois, ou 99. Il y a surtout beaucoup de couleurs chez Wool Lovers. C'est incroyable. Il y a vraiment plusieurs sortes. Vous avez du rouge baie, ils appellent ça comme ça. Vous avez du vert, un autre vert, un vert sapin. Vous avez du marron. Vous avez 3 teintes de marron différents. C'est vraiment génial pour les gens comme moi qui commencent leur garde-robe. Enfin, bon. Ça va, ça progresse, mais qui savent pas encore quelles couleurs leur vont, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ou ne leur vont pas d'ailleurs, et du coup pour un prix assez modique on peut tester, et d'ailleurs on peut renvoyer, hein, bien sûr, si moi je le fais pas, mais bon, si ça ne vous convient pas, si la couleur ne vous plaît pas, vous avez 30 jours comme sur quasiment toutes les marques pour le renvoyer et vous faire rembourser. Wool Lovers, une gamme vraiment incroyable de laine, moi j'adore, et pour moins de 100 €, vous avez vraiment des pulls qui vont vous tenir toute votre vie. C'est à nouveau l'instant conseil de l'ours, ne mettez jamais votre laine 2 jours d'affilée, vous allez la flinguer. Pour les deux dernières marques, on s'éloigne du prix modique, mais on se rapproche de plus en plus de la qualité du Saint Graal, quoi. Alors, si je vous conseille des marques, c'est parce que je les ai testées. Pour l'avant-dernière, c'est pas le cas, du moins pas encore. Il s'agit, les lecteurs de bonne gueule connaissent déjà cette marque, mais bon, je vais quand même le dire, de Hercus. Alors avant tout, juste pour préciser pourquoi je n'ai pas acheté chez Hercus, c'est déjà parce que c'est un poil cher et que je voulais tester d'autres marques avant. Bref, Hercus est l'avant-dernière marque que je vous recommande, c'est du cachemire de toute première qualité, c'est vraiment un très bon cachemire et vous mettez la main dans enfin du pull qui va vous tenir si vous faites attention toute votre vie. Ça va pas trop être le cas avec Spirit Mackay et Uniqlo. Ça peut être le cas avec Wool Lovers si vous faites vraiment très attention, mais Hercus, là, on touche le premium. Sur Hercus, vous avez pour hommes et pour femmes, donc des cols ronds qui vont entre 150 et 190 € et des cols roulés qui vont entre 150 et 250, je crois, 250 €. Donc oui, c'est un prix, je vous l'accorde. Cependant, ça reste quand même une qualité assez incroyable parce que vous avez, pour ce prix-là, du cachemire de classe A. Le must du cachemire. Voilà, on tisse pas les pulls avec la première chèvre moisie venue d'Albanie. Non, c'est vraiment de la chèvre, du cachemire, en cas où vous ne le savez pas, le cachemire vient de la chèvre, qui est principalement dans les zones de cachemire. Contrairement à la laine qui vient du mouton, donc le mouton mérinos. Il y a plusieurs races de moutons, hein, bien sûr, mais généralement, le premium, on va dire que c'est le mouton mérinos. Bien, on vient de voir les 4 marques, et là, je vous propose le Saint Graal. Vraiment. C'est-à-dire que là, le pull, quand il arrive, il pue le mouton. Vous sentez que vous n'avez pas une merde en plastique de chez Aldi. Mesdames et messieurs, les pulls de chez Peregrine. Peregrine, c'est une entreprise britannique, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est anglais, qui fait, à mon sens, pour moi, les meilleurs pulls au monde. Ils sont incroyablement épais, avec de la laine de mouton irlandais, qui est pour moi le must du mouton. Oubliez le mouton australien. J'ai l'impression que l'Irlande produit des moutons, en fait, c'est entre le Capricorne et le Tyrannosaure. Le truc est tellement épais, le truc est tellement chaud. J'ai été faire des photos au Cap Réel, à 9 h du matin, moins 5, avec des vents de force 12, 50 km/h. J'avais juste le pull. Je vous le dis, j'avais pas froid du tout, j'avais froid au visage, mais juste le pull, rien d'autre. J'ai un pantalon, mais juste le pull au-dessus, pas de veste, que dalle. Peregrine propose également pour hommes et pour femmes, c'est magnifique. Vous avez plusieurs choses, vous avez des pulls, mais vous avez également des vestes, vous avez également des écharpes, des bonnets,
des chemises, enfin des surchemises tellement que les trucs sont épais. Les pulls sont entre 60 et 120 livres, ce qui vous fait 75 à 135 euros à peu près. Alors c'est un prix, c'est moins cher qu'Hercus parce que bien sûr c'est de la laine, mais alors je vous garantis que les pulls sont d'une incroyable épaisseur. Croyez-moi, ce sont les plus beaux pulls qui peuvent exister. Vous avez des pulls torsadés, des pulls gaufrés. Moi personnellement, vous savez, j'ai pris du coup un pull gaufré. C'est le plus beau pull que j'ai. Bien sûr, c'est pas un pull qui va révolutionner le monde par sa coupe. La coupe, c'est un carré le truc. C'est pas ce qu'on recherche quand on achète chez Peregrine. Peregrine, c'est autre chose. C'est vraiment la texture, c'est vraiment le tombé un peu particulier, le carré que vous achetez, c'est des pulls qui ont du caractère, encore une fois. Oui, il y a Alex le sartorial, Alex le fils illégitime du Gojacomé. Cheers. Mais il y a Alex l'ours mal léché à côté, Alex le baroudeur, le globetrotter, voilà, c'est autre chose. Donc du coup, il faut que j'ossie les vêtements, enfin, il faut que je prenne les vêtements en fonction de ce que je vais faire avec. Pour vous dire, ma femme me tanne pour que je lui en prenne un. Sauf que maintenant, comme pour Woolover, comme pour tous les marques britanniques, on peut plus trop commander parce qu'en fait, on sait toujours pas s'il y a des frais de douane ou pas. C'est en instance, donc pour l'instant, les commandes sont annulées. Alors, on va résumer. Pour de la petite laine, pour des petits trucs, pour travailler le layering ou pour mettre avec une veste sport, vous avez Hercus, ça marche plutôt bien. Vous avez Uniqlo, Spirit Mackay et je crois que c'est tout. Pour de la laine qui va vivre toute seule, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre particulièrement autre chose dessus, sauf s'il fait extrêmement froid, un manteau. Woolovers, c'est très bien, vous avez du épais, du moins épais, mais c'est pas de la maille fine. Et bien sûr, Peregrine. Alors Peregrine, s'ils veulent collaborer, je collabore. Là, je suis pas Jean Moulin, hein, je le fais comme ils veulent. Ce sont pour moi les meilleures marques pour ce que je recherche chez un pull, mais bien sûr, vous avez d'autres marques qui font vraiment le taf et qui vous plairont. Je peux citer, je sais pas moi, Bonne Gueule, Sud Supply, Asphalt, Hollister, Jack & Jones, enfin voilà, Monop, vous pouvez encore choisir, vous avez vraiment le choix. Bon, et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelques petites choses. Bien sûr, je vous rappelle que je ne suis pas sponsorisé, que c'est juste mon avis et que les pulls que j'ai, je les ai payés avec mon pognon. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à me rejoindre sur Instagram, hein, on n'est pas assez, donc bien sûr, je vous laisse. Allez, à la prochaine les gars pour la nouvelle vidéo.